Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on sera sur le savoir de Monsieur Ras Super Ama for Life. On sera en police. Le type de la patrouille, ça sera CRS. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. De temps en temps, je fais quelques lives dessus. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. La flotte, ils ont tenu plongée. Ils sont pas qui étaient en train de Hein? Ils sont pas qui étaient en train de plonger. Il y avait tout ça. Bah, le problème, moi j'ai pas de repère kit, hein. J'ai cassé. Ah bah, il a l'air sur un. CRS. Donc Hertz, il n'y en a plus, les journalistes l'ont bouffé, donc on va pouvoir enlever votre balisage. C'est vrai, c'est vrai. On lui a dit, il a tout à fait. C'est quoi, Costa Del Mar? Là. Un camion. C'était ça, hein? Quoi, le bricot, le pouf-t-elle? C'est là, regarde. Hein? Regarde les super. Dans le supermarket. Ah ouais. Arme de poing. Mascara de CS. Transmet. Arrive sur position, personne arme de poing, masque, habillé en noir. Reçu. Vous souhaitez une évaluation, on s'en occupe. Vous êtes combien d'effectifs? 3. Ah bah, pour vaut mieux que ce soit vous que nous qui négocions, on n'est que deux. Ah, si on arrive. On va voir s'il veut négocier ou pas déjà. Monsieur, vous voulez négocier? Parlez fort, on vous entend pas au cas où. On vous entend pas, monsieur. Ok, il y a un négociateur qui va venir alors. Oscar de CRS pour information, il veut le négocier. C'est reçu d'Oscar. Il se met derrière, au cas où. Camion derrière. Le monde bleu là, on va aller sur lui, on va lui dire qu'il dégage de la zone. Monsieur, vous circulez de la zone. Vous circulez de la zone, monsieur. C'est l'argent, un peu l'argent. On n'est pas là pour faire des dégâts, pour blesser. Mais on peut juste partir avec l'argent. Dans la vie, on a tous des choix à faire. Et puis on a fait le choix de braquer un magasin quand on veut l'argent et partir avec l'argent. La vie de change, qui sont là, la vie de notre France, notre vie, la mienne, ça c'est bien assez, non? D'accord, bah, c'est pas la banque nationale, monsieur. C'est que l'argent, ça pour la vie de vos collègues, qui sont là.
Pas ça pour rigoler. T'es sérieux? Non mais c'est bien sûr que non, je rigole pas. C'est juste que je suis en plein stress là. Plein stress. Malheureusement, t'as 300, ce sera pas suffisant. De la somme. 30%. Une négociation en cours en ligne, donc on est obligé de laisser faire le négociateur d'abord. Sinon, on risque de mettre en danger la vie du négociateur. Gaffe à la maison à droite du parcours, bizarrement on arrive à voir souvent des trous du mur à l'extérieur. C'est pas beau, hein. Il est là le barrage parce qu'elle est partie dans la résidence. C'est bien assez pour. Elle est juste là derrière, derrière la maison. Ça nous permet de mettre. Ok, il faut que nous on soit là par rapport à la maison. Tony Plaisino. Alors bon, bonjour. Je vais te dire Oscar. Oscar, c'est un rêve. Google Plus Noir, vu sur jaune, au nom de Tony Plaisino. Actuellement, le tonneau du bruit. Je me suis mis 380 460 euros en plomb.
pas le suivre, moi, ce genre de truc. Vous pourrez demander un. En fait, on va laisser sur votre téléphone. Il n'y a qu'un foyer. Mmh. Le foyer aura l'argent. Coup de feu. What? J'entends des coups de feu. Tu as tiré, c'est vous qui avez tiré ou pas? Non, c'est pas nous. Sarah, c'est vous qui avez tiré? Négatif. Quoi, ils ont tiré ou pas là? Non, c'est pas nous, quoi. Ils sont pas armés. Bon, pour info, apparemment, ce serait pas le breacher, enfin, les chips du breacher, j'aurais tiré. Alors, attention quand même, hein, parce qu'il y a une golfe noire qui se balade aux alentours, négociateur. Tu restes là, je vais aller checker la maison là-bas. Non, reste ici, à l'arrière, je check du coin là, histoire que ça nous back pas sur le côté. Non, mais je savais tout de là-bas. C'est venu de là-bas derrière. Ouais, mais. Reste plutôt avec moi, il faut qu'on ait en ligne. Super, c'est là. Oscar, CRS. Elle est où votre position actuellement? On met un point. Faut par la suite, maintenant, on part en poursuite. Pourquoi ça, monsieur? Pourquoi vous devez partir en poursuite, monsieur? Sur le rappel. Ah, monsieur, je pense que vous êtes d'accord, non? On donne la moitié de la somme quand vous. Ok, je vous ai mis un point approximatif. Du l'endroit où il fait le coup de feu, donc sûrement la Golf Nord, donc sûrement des complices du braqueur. Golf Nord, ça ouvre. Parfois, dès le 7 heures, la Golf Nord elle est au braqueur. Genre, je suis à l'intérieur, du coup, il y aurait un individu. Je suis deux sur vous. Monsieur. Je suis deux, du coup. Quoi? Y'a que la Golf. Depuis tout à l'heure, elle est tout seul en fait. On fait pas ça à l'arrache. Ah ouais. On est d'accord sur la moitié de la somme. 90 000, ça me paraît énorme. Non. Je te propose, je vous laisse remonter à 150 000 et vous donnez pas de dollars. Vous m'avez dit combien? 50 000. Et vous donnez votre arme et vos appartements. Quoi? C'est pour repartir tous ou pas? C'est pour tous repartir. D'accord, mec. Hein. On est sûr de ça, monsieur, parce que. Combien? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? D'accord. Ça va gagner du temps pour la qualité. Ouais, sûr, ça marche pas, ça. De quoi, monsieur? De toute façon, j'ai un bisou de la porte arrière, je suis prêt à tirer au taser, donc. Si je barre par derrière. Ouais, je suis venu. Oui, bah oui, si je dis qu'on va repartir les grands, on peut faire confiance. On vous redonne, on vous donne 90 000, c'est ça? Bah non. Vous êtes fait 380 000. Et le 7. Transmettez. Du coup, le monsieur s'est fait un total de 380 000 euros. Le monsieur, du coup, je laisse repartir avec 150 000. Il me donne son pistolet et en contrepartie, du coup, on laisse partir sans poursuite par la suite. Suivi d'Oscar. Transmettez. Je pars en fait pour procéder à l'échange. Ils sont pas tous, mes collègues ils sont pas tous d'accord, j'essaie de vous mettre. Ah mais bon, c'est vous qui négociez, c'est pas vos potes. Eh hey, monsieur, mais c'est... On met un ultimatum ou... D'accord.
Mais du coup, pour qui vote pour ça? Oscar, CRS. Ah, écoute. Alors, j'ai avec une négociation, mais on va pas attendre non plus maintenant. Bah, c'est suivi. Il y a la tempête dans 20 minutes. Hein? Il y a la tempête dans 20 minutes. Elle est où là? Pas grave. CRS, vous êtes où? Derrière. Oh, c'est une station, c'est pas en somme, fait gaffe. Oh, là, t'inquiète, s'il sort, il se fait à dire. En formation des premiers tirs, on enverra une lacrymo dans le secteur. Suivez d'autres. Je viens de me répondre. Monsieur, oui. C'est compris. On part sur la prochaine station. Et tu vous conseillerais de ne rien tenter parce que sur le général, ils sont. Ça, c'est Oscar. Yes. Donc, tu en as une chose. Donc, tu en as une question. Pour la fois, ils ont violé sur vous, faites gaffe. Ils vont attaquer. Ils ont flashbang, on commence à tirer. Faites attention, ça va ouvrir le feu à CRS. Vous avez plus de communication radio. La gueule, c'est pas bon. Tiens, on va par où, s'il vous plaît, on va taper à Golf. Elle est vers le Brice. Elle est partie derrière le Brice, direction station. J'ai son nom, on sait jamais. Bon, c'est vrai, c'est un individu interpellé. C'est sûr. Tu peux voir ce carte si jamais l'immatriculation QP858ZG Anthony Plaisino. Alors, on va essayer de la retrouver, la Golf. Ouais, on l'a. Oscar, engage, je refuse de t'appeler sur la Golf. Il est passé où? Il est dedans? Il est dedans. Ok. Position. En direction manette. Puis, que c'est là-bas? Il est dedans. Tu dis qu'on a le braqueur, qu'on a direct ça. Pour fond, on va aller sur direction sur Jameson avec le braqueur. C'est sûr. Je laisse vous dire ses droits. Monsieur, les 22h, on va finir la même chose pour être sur la suite. Parce que vous êtes dans une station initiale, vous voir. Bon, il fait une mi-tour de Ostia et retourne sur le poste. J'essaie de passer un barrage, je vous laisse, vous êtes toujours sur le poste. Colombien. Oui, bah on retourne sur Colombien là, actuellement. C'est devant. Sur la terre. Non. Oscar, ça va? De toute façon, j'ai le nom. Donc, on a le nom au cas où Oscar et monsieur, on va s'occuper tout de suite de lui parce qu'il y a la tempête qui s'approche. Yes, allez, j'allais dire. Je vais le mettre sur Interpol de suite. Je le fais déjà. Je te laisse ouvrir le garage en plus.
Je suis dans l'Interpol là. Ah attends, je l'ouvre. Allez, vous me suivez. Scarte, CRS. On m'a suivi. Transmettez. Non, j'arrive pas à le mettre sur Interpol, ça me dit à chaque fois que je fais une question Interpol, je vais pas te tuer la tête. Vous vous tournez, s'il vous plaît. Suivi. Faut pas mettre apostrophe. J'ai rien mis du tout que des lettres et ça marche pas. T'as suivi. Même dans ce que tu marques, hein, faut pas qu'il y ait l'apostrophe, rien du tout, hein, pas des, non, des mais cartes. Y a rien du tout. Y a, pas un E accent, rien. Non, mais il y a que des lettres simples. Quoi. Ça marche jamais. Quoi. Vous retournez, s'il vous plaît. Laissez votre téléphone, monsieur, n'oubliez pas, vous êtes. Non, c'est parce que j'ai soif. D'accord. Vous pouvez se déposer dans la petite boîte où vous avez fait. Les deux pas en arrière, s'il vous plaît. On peut tout reprendre sauf arme et chargeur qu'il y a dans, dans la caisse. Par contre, le masque, vous le mettez dans votre sac, monsieur. Il n'y a pas. C'est possible, en fait. Bah, alors vous laissez dans la caisse votre masque. Et vous allez retourner, j'ai effectué une petite palpation encore. Ok. Vous pouvez retourner, monsieur. Présentez une pièce d'identité, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Ok. Ah, c'est pas besoin de le mettre sur Interpol, il est devant moi, le monsieur. Ah. Ok, alors monsieur Plessigno, bah, vous savez les faits qui vous sont reprochés. Scarte CRS. Mais non, attendez. Scarte CRS. Ah, écoute. Du coup, monsieur Plessigno était déjà dans la cellule. C'est un complice qu'on a pas son nom qui est à la voiture. Non, j'ai pas entendu. Ah, ok, c'est vrai. Vous savez les faits qui vous sont reprochés, c'est que j'ai un effectué sur la personne. Bon, je sais pas. Monsieur, les faits qui vous sont reprochés, vous les connaissez ou pas? Monsieur, oui, je vous entends. Oui, je l'ai vu. Ok. Je vais vérifier un truc. Monsieur. Ok. Donc, monsieur, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai l'impression que ma voix, vous la réceptionnez. J'ai besoin là. Oui, du coup, je disais que je connais les faits qui me sont reprochés. D'accord. Donc, monsieur, braquage de station, enfin de c'est Bricorama, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça. Ça s'élève à 150 000 euros d'amende, saisie du permis de port d'armes. Vous êtes saisi, est-ce que vous en possédez un ou pas? D'accord. Est-ce que vous en possédez un ou pas, un permis de port d'armes? Oui.
Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît. Sachez que je regrette ce que j'ai fait, mais j'étais dans l'obligation de le faire. Enfin, c'est pas ce que vous disiez avant à mon collègue. Comment? C'est pas ce que vous disiez avant à mon collègue, au négociateur. Bah si, je lui ai clairement dit que je j'étais obligé de le faire parce que j'avais besoin de ça pour survivre, en fait. Okay. J'avais pas le choix. Et donc, monsieur, comme j'ai expliqué, je vais vous proposer l'amende 3 fois. Si vous voulez la 3e fois, vous refusez, vous serez mis en détention. Si par la suite on remarquera que vous avez de l'argent, alors que vous avez refusé de payer, ça sera un exil. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Tout à fait. Par contre, j'aurais vraiment besoin d'un médecin. On va vous appeler ça tout de suite, monsieur. Je vais signer déjà. Je peux voir avec les pompiers s'ils sont dispo ou pas? Ouais. De et donc monsieur, bien sûr, pour braquage, vous avez 50 prisons. D'accord. Codice de police. Négatif, ils sont pas présents. Ok. Bon, vous avez mal où, monsieur? J'ai mal à la jambe, à la jambe gauche. Je vais vous mettre en attendant un bandage, ça sera en prison que vous irez, à l'infirmerie en prison, monsieur. D'accord. Parce qu'apparemment les pompiers sont pas disponibles. D'accord. Donc. Je laisse vous retourner, monsieur. Donc les agents pénitentiaires sont arrivés. C'est eux qui s'occuperont de vous pour le transfert en prison. Moi je vous dis, en espérant vous voir dans d'autres conditions que celle-ci. Et je souhaite un bon séjour en prison et une bonne soirée, monsieur. Même pour moi. Bonne soirée. CRS. T'es pas dessus. Hein? T'es pas dessus. Oscar CRS. On a fini notre contrôle total. On entend nous voir. On a renfort sur Posta, s'il vous plaît, on a battu deux. Sur le on arrive. Ils ont encore du monde à ou ils ont abattu les mecs? Vous avez du coup abattu deux packs par rapport au braquage d'avant, vous avez retrouvé la gueule? Les journalistes nous ont appelé parce que du coup ils se faisaient tirer dessus. Depuis du coup la station service, on est parti sur station service, on a reçu du coup des tirs sur nous. Du coup on a répliqué deux packs abattu, même style vestimentaire du coup que le braqueur. Ok, c'est sûr. Du coup non, on parle de Jameson, on va arriver. Pour info du coup, au Star, on a monsieur Sofia Azib d'abattu ainsi que monsieur Henri Joël. C'est monsieur. Des infos sur la Golf? Des latifs, faudrait essayer de la retrouver pour enlever. Les garages. Viper. Ouais, j'en regarde juste devant. C'est quoi, quel garage tu veux qu'on check? Les garages qui a à droite là, t'as des maisons avec les garages. Ah, ceux-là. Ceux-là, ouais. Ah! C'est là. Golf sur notre position, Oscar. Ah, super. Premier coup. J'ai trois noms, les trois noms indiqués. C'est bien elle. Porte arrière ouverte au cas où. Du coup,
coup, j'ai détruit la Golf 1 étonné, je vais partir au vide-up. Non, je sais pas si c'est une bonne idée dans la maison. CRS, vous confirmez, Anthony Plesino, braqueur. Ouais, ouais, c'est le braqueur du Rico. Et là, tu viens retourner sur zone, mon pote, ils ont commencé à nous rafaler. C'est un peu une gnagnon ou. En somme, ce serait le. Donc, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.